Hey, salam alaikum. DZ Intégrateur revient aujourd'hui pour vous expliquer comment migrer Windows 7 à Windows 8. Sans plus tarder, il suffit de brancher votre DVD Windows 8 dans votre PC, puis cliquez sur Démarrer, Ordinateur ou Poste de travail. Voilà. Il suffit maintenant de lancer l'utilitaire d'installation depuis votre DVD. Un double clic, oui. On patiente un tout petit peu le temps de préparer l'installation. Voilà. Là, il nous demande si on souhaite télécharger les mises à jour maintenant ou pas. Alors, je vous conseille de cliquer sur non merci puisque nous allons mettre à jour notre système d'exploitation plus tard. Ça permet une installation plus rapide depuis le DVD. Alors, on clique sur non merci et on clique sur suivre. Maintenant, nous devons fournir la clé Windows 8, vous devez vous la procurer de votre fournisseur ou bien vendeur de clés officielles Windows. Suivant. Là, on clique sur J'accepte les termes et conditions du contrat de licence. Là, il nous propose de conserver. Si nous souhaitons conserver les paramètres Windows, fichiers personnels et applications, ou bien conserver uniquement les fichiers personnels, ou bien ne rien conserver. Alors, je vous explique. Si vous voulez conserver uniquement ce qui est présent sur le bureau et ce qui est présent sur mes documents, images et musique, vous devez cliquer sur conserver uniquement les fichiers personnels. Comme ça, il conservera uniquement ce qu'il y a sur le bureau et ce qu'il y a sur mes documents, images, musique et vidéos, c'est-à-dire la bibliothèque de cet utilisateur. Maintenant, si vous voulez conserver les paramètres Windows, les fichiers personnels ainsi que les applications, c'est-à-dire les logiciels installés tels que VLC, vous devez cliquer sur conserver les paramètres de Windows, fichiers personnels et applications. Si vous voulez rien conserver et repartir sur une nouvelle installation, vous devez cliquer sur ne rien conserver. Mais le but de cette vidéo est de vous montrer que vous pouvez non seulement migrer de Windows 7 à Windows 8 en gardant vos fichiers actuels. Alors, on va cliquer dans un premier temps sur Conserver les paramètres Windows fichiers personnels et applications. Suivant. Là, Windows 8 est en train de faire une vérification si nous avons assez d'espace pour stocker ces fichiers de sauvegarde. À ma travaux, nous allons faire pas à pas de la vidéo, comme ça vous pouvez faire en toute sécurité la migration de Windows 7 à Windows 8. Bien sûr, tout dépend de l'espace de stockage des Handcom. Pourquoi? Simplement parce que il ne suffit pas de vouloir migrer et garder les fichiers. Il faut aussi avoir l'espace requis. Alors là, nous venons de finir les tests. On clique sur Installer. Votre PC va démarrer à plusieurs reprises. Cette installation peut prendre un certain temps. Effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, je vais mettre en pause le temps de finir l'installation. Là, nous sommes en train d'attendre encore 0% effectué. Je mettrai bien la vidéo en pause le temps de finir cette ou bien atteindre les 90%. Hey! Voilà! On a atteint les 90%. Le PC va redémarrer. Vous avez remarqué, hein? C'est la magie de la vidéo. On était à 1% et là. Ma mère vient de rentrer juste pour demander. Ouais, je suis en train de faire une vidéo. Ma mère me demande par rapport à. Parce qu'en fait, صيام مبارك ورمضان رمضان ايوه غلبني رمضان صح يا غلبني رمضان ما غلبنيش رمضان غلبني صيام ايوه غلبني صيام حسنات ان شاء الله موضوع العيد عيد بالبركة
En attendant, installez Windows 8. Voilà, dans tout temps, le PC va redémarrer pour procéder à l'installation de Windows 8. Arrêt en cours. Alors ça, c'est le nouveau logo de Windows 8. Ils utilisent l'interface dite Metro. En fait, c'est une interface que vous allez trouver sur les tablettes, sur Windows 8, Windows 8.1, Windows 2012. C'est la nouvelle interface qui est utilisée sur l'ensemble des produits Microsoft. Alors, préparation, c'est 50%. Et 100%. Là, il va procéder à l'installation. De toute façon, le PC redémarre plusieurs fois pendant l'installation. Là, il est en train de préparer les périphériques. Il vient de terminer la préparation de périphérique, 100%. En préparation PRV, qui a, ça veut dire tout ce qui est disque dur, USB, carte graphique. Là, on est toujours dans la préparation de l'installation. Alors, il est bien de commencer à mettre le backup de côté.
Je vais mettre en pause la vidéo le temps qu'il arrive à 100%. Alors voilà, on a atteint les 100%. Le PC va redémarrer une deuxième fois, enfin une énième fois. J'essaie de vous donner une vision assez globale de la procédure. De toute façon, là, le PC va redémarrer, redémarrer. Ne vous inquiétez pas, l'installation est en train de s'effectuer. Bien sûr, il y a une préparation avant l'installation, mais dans tous les cas, ne touchez à rien du tout et laissez l'installation se dérouler comme prévu. Là, il procède au déplacement des paramètres de l'ancienne version 7 à la nouvelle version 8. En fait, cette procédure d'installation a, dans un premier temps, procédé à un backup de vos fichiers. Ensuite, il va restaurer ce backup sur la nouvelle installation Windows 8. Bien sûr, ceci s'est effectué d'une façon transparente. Les ingénieurs de Microsoft ont automatisé cette tâche afin de faciliter la migration en toute sécurité d'autres systèmes d'exploitation. Voilà, l'installation c'est terminé. Nous allons commencer à personnaliser notre Windows 8. Alors, sélectionnez une couleur. Bah, je vous laisse choisir la couleur qui vous plaît. Moi, je suis plutôt orange. ça fait mal aux yeux. Attendez, on va faire un. Non, non. Je préfère celle-ci. Du gris. Alors on clique sur suivant. Ça c'est la configuration rapide. Installer une mise à jour, protéger. Bon, écoutez, je préfère personnaliser l'installation. Alors, activer le partage, oui. Utiliser installer automatiquement. Alors là, nous allons laisser installer automatiquement. Protéger votre vie privée, ok. Suivant. Envoyer Microsoft. Je vous déconseille d'envoyer les rapports à Microsoft bah, pour des raisons de sécurité. Hein. Alors, recherche en ligne, utiliser le rapport d'erreur, on laisse OK. Par exemple, les applications permettent d'appliquer. Non. Activer la plateforme de localisation pour. Non. en fait, c'est pour ne pas partager la géolocalisation. Suivant, adresse de messagerie. Alors, nous allons pas leur fournir pour le moment. On va faire ignorer. Pour vous montrer qu'on peut migrer Windows 7 à Windows 8 sans avoir sa connexion Internet. Alors là, pendant la configuration de Windows 8, il y a une démo qui va nous expliquer comment utiliser Windows 8. Je vous laisse avec cette démo. En fait, Windows 8.
Quand nous déplaçons la souris vers l'un des quatre angles de l'écran, il y a des options que nous pouvons activer. Alors, là, Windows a été en train de terminer l'installation. Nous allons mettre en pause la vidéo le temps qu'il termine cette préparation. Youpi! Nous venons de finir l'installation Windows 8. Ça, c'est la nouvelle interface de Windows 8. Ah, c'est joli, hein? Alors, on clique sur Bureau. Et comme par hasard, le même fond d'écran est gardé. Les mêmes fichiers sont disponibles. Alors, j'ai fait exprès de créer un fichier texte tout à l'heure. Puis aussi un logiciel qui était tout à l'heure sur mon bureau, VLC. Alors là, on va voir si VLC est là. Oui. Déjà installé. Ah, ça c'est l'installable, pardon. Alors, comme vous... Pop, 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 pop. Eh bien, effectivement, VLC est encore installé. Voilà, nous avons mis à jour, enfin, nous avons migré Windows 7 à Windows 8, tout en gardant tous nos fichiers ainsi que les logiciels installés. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à la visualisation de cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un email ou nous contacter par Twitter. Nous serons très contents de vous répondre. Voilà, à très bientôt.